Mola, archive sonore. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous être rendus à cette invitation de la librairie Mola, dont nous sommes, ce n'est pas qu'un pluriel de majesté en l'occurrence, et ce n'est pas non plus un petit compliment de circonstance, singulièrement heureux. Pour ce qui me concerne, pardonnez-moi de parler à la première personne du singulier, mais enfin, je ne suis ici que le porte-parole de moi-même. Pour ce qui me concerne, il m'a semblé, c'était il y a 3 ans, je crois, à peu près, et c'était un livre dont le titre m'avait intrigué, qui s'appelait « Mort d'un silence ». Et ça fait partie de ces livres dont on se dit, non seulement que c'est un livre formidable, bon, ça, mais dont on se dit qu'on n'en a certainement pas fini avec son auteur. On se dit que cette voie-là est durable, elle est nécessairement durable. Pour peu qu'on ait lu quelques livres dans sa vie, il y a ceux dont on se dit que c'est, je me pardonnerai l'anglicisme, des one-shots, et ceux dont on se dit non. Là, on est parti pour cheminer ensemble un bon bout de temps. Moi, lecteur, et vous, madame, que je ne connais pas, auteur. C'était donc le premier livre de Clémence Boulouk, « Mort d'un silence », qui vient d'être, je ne dirais pas adapté au cinéma, parce que je crois que ce serait tout à fait inadéquat, qui vient d'avoir une espèce de transcription, de lecture cinématographique de la part de William Carell, grand documentariste et grand cinéaste américain vivant en France. Enfin, je crois vivant en France. Oui, oui. Et puis ensuite, la suite, un deuxième livre et un premier roman. On va revenir sur ces infortunes et ces chausse-trappes de la fiction qui s'appelait Sujet libre. Ça, c'était il y a 2 ans, je crois, aux éditions Gallimard, toujours. Livre pour lequel je confesse avoir une affection toute particulière, mais ça, c'est, vous savez, c'est... et dernièrement, mais vous me pardonnerez de me prêter à ces espèces de hit-parades, en plus, sur 3 livres, c'est pas trop compliqué, dernièrement, chez Gallimard, la sortie de ce livre, Chasse à court, donc de Clémence Boulouk, quand je dis dernièrement, c'était l'automne dernier. Le 1er septembre, voilà, précisément. Entre-temps, la découverte d'un certain nombre, là aussi je parle à la première personne singulière, d'un certain nombre de passions communes, au premier rang desquelles les macarons. Clémence Boulouk a publié dans la très très jolie petite collection du Mercure de France, dont j'ai oublié le titre, qui sont une collection de textes d'écrivains sur la cuisine. Le Petit Mercure, oui. Voilà, dans Le Petit Mercure, un livre sur les macarons, comme il y en avait eu. De très beaux, enfin je ne vais pas tous les citer, mais il y en a eu de très beaux aussi, de Chantal Thomas, de Marie Nimier, etc., d'Elisabeth Barillet. Et également dans cette collection, Le goût de Tanger, qui ravira tous ceux pour qui cette ville n'est pas que des souvenirs littéraires, mais quand même pas mal aussi des souvenirs littéraires. Et enfin, dernièrement, mais là c'est vraiment, histoire d'être exhaustif, parce que je vais être franc, je n'ai pas lu ce livre encore, un recueil de cartes postales de femmes juives séfarades du Maroc et de la Tunisie, d'Afrique du Nord. On va même jusqu'en Libye. Voilà, on va jusqu'en Libye. Co-écrit, et donc Clémence Boulouk a écrit des textes, ou une partie en tout cas symptomatique de ces textes. Donc vous l'aurez compris, ce soir, comme on est un petit peu entre nous, on souhaite prendre les chemins de traverse et ne pas s'attacher strictement à un livre, mais profiter de ce work in progress, encore un anglicisme que semble être le parcours de Clémence Boulouk, pour l'évoquer à ce moment de sa trajectoire, peut-être se retourner sur le chemin déjà accompli, qui me paraît loin d'être faible, et puis essayer de voir ensemble les perspectives qu'il semble dessiner. Voilà. Clémence Boulouk, ce petit compliment qui, encore une fois, n'est pas d'usage étant fait, première question. Comment parler après? Comment parler avant? Première question, est-ce que vous vous souvenez de votre sentiment la première fois que vous avez vu, c'est une question de fan, hein, la première fois que vous avez vu votre nom imprimé sur la couverture d'un livre, ça devait être pour Chasse à court. C'est ce que je voulais dire, pardon, pour Mort d'un silence. Quelle était la nature de vos sentiments à ce moment-là, en dehors du sujet particulier du livre sur lequel on va revenir. Je crois que j'ai eu un blanc, en fait. C'était. Je me souviens. J'étais allée prendre un thé avec ma mère juste avant d'aller chez Gallimard. Déjà, aller chez Gallimard pour voir le livre en service de presse et savoir que j'allais le signer pour... Parce qu'en fait, je l'ai vu quand j'allais le signer pour les journalistes, l'envoi à la presse. Et c'était, je crois, le 22 janvier 2003.
J'aime bien le « je crois » parce que je citais le 29 janvier 2003. Et j'ai eu une sorte de... Quand j'ai vu ces petits livres comme ça, c'est même pas que ce soit mon nom sur la couverture, c'était... Enfin, le texte était là et je me souviens que mon attachée de presse m'a pris la main et elle m'a dit « Allez, allez maintenant !» J'ai dû... Enfin, c'est un petit moment où on défaille, forcément. Enfin, je me souviens aussi de la première fois où je suis rentrée chez Gallimard et... Moi, j'ai un rapport au livre qui est complètement affectif. Quand j'étais petite, je voulais aller au Salon du Livre tout le temps et je voulais aller au stand Gallimard tout le temps. Et j'avais l'impression que c'était de la Mecque. Hein. Et du coup, je me souviens, je me suis dit, en rentrant chez Gallimard, il faut que je me souvienne de ce moment. Il faut que je me souvienne de me souvenir de ce moment. Donc, c'était un petit peu compliqué. Mais oui, c'est ça. Enfin, c'est des sortes de... blanc, mais tellement tellement grande intensité que ça tout devient blanc. En fait. C'était pour vous entrer dans la blanche, il n'y a rien que de très logique. Ça doit être lacanien, oui, ça doit être quelque chose comme ça. À quel moment de votre trajectoire, peut-être quand vous écriviez des histoires de tapis volants, peut-être toujours pas, j'en sais rien, c'est bien pour ça que je pose la question. À quel moment avez-vous commencé à vous dire, tiens, quelque chose fait que je dois pouvoir me revendiquer sans trop avoir l'impression d'être un imposteur, une imposte. Je connais pas le féminin. Alors, d'imposteur. J'ai eu une conversation mail très longue sur le féminin d'imposteur. Ouais. Et alors, impostrice. Impostrice, c'est pas. Ça fait un peu factrice. Donc, oui, ça fait un peu factrice. Ouais. C'est la semaine dernière, donc je suis restée un imposteur. Bon, alors on reste sur imposteur si vous voulez. Oui, c'est un terme qui me va bien parce que j'ai toujours le sentiment d'imposture et une angoisse magistrale. Alors voilà, c'était l'objet. Est-ce qu'il y a un moment où on vous a dit, bon, là maintenant je commence à maîtriser relativement suffisamment les choses pour pouvoir me définir, ne serait-ce qu'en moi-même et très très doucement, comme un écrivain? C'est toujours pas fait. Hein. J'ai écrit, quand on me demande ce que je fais, je suis toujours un tout petit peu embarrassée. Quand je vais dans un pays arabe en voyage, parce que j'aime bien voyager, j'aime cette région du monde, je suis très embêtée parce que journaliste, alors c'est la meilleure façon pour avoir des mouhabarats, des espions derrière soi pendant tout le séjour, bon, ce qui est quand même une compagnie pas forcément réjouissante. Écrivain, j'arrive pas à écrire ça parce que je trouve que c'est trop romancier non plus. Donc en général, je termine de façon assez timorée par soit critique littéraire, soit étudiante. Donc, mais c'est vrai, en fait, on passe notre vie à étudier, donc étudiant, ça me semble être un voilà. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est compliqué. D'abord, les gens qui me disent je suis écrivain ou je suis poète, je trouve ça toujours un petit peu comme ça, claque, je trouve ça un peu suspect. Et non, j'ai trop de respect pour parce que j'ai grandi en lisant, j'ai trop de respect pour les écrivains, pour me dire, ça y est, je fais partie de la famille. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut tellement de chemin que pour l'instant, je suis étudiante. Je suis étudiante en écrivant. Dont acte, ça vous permet de bénéficier de réductions au cinéma, ce qui est plutôt bien. Mais maintenant, plus 26 ans. Ah oui, c'est vrai. On va dévider un petit peu le fil biographique, mais quand je parle de fil biographique, c'est le fil biographique de la naissance d'un écrivain, justement. Première tentative, si je vous ai bien lu, c'est dans Mort d'un silence, je crois. Oui, je suis sûr même. Tentative romanesque assez extravertie, quand vous aviez 12 ans. Des histoires de tapis volants. Tapis volants. Ah, c'est bien ça. Des tapis volants qui ne voulaient pas décoller. Et c'était très gênant parce qu'il y avait des poursuivants derrière les héros. Et donc, en fait, le tapis volant, il y avait un mot de passe pour qu'il décolle. Mais comme on était dans un pays arabe, il fallait le faire à l'envers. Parce que j'avais pas forcément réalisé que c'était pas la même graphie, mais donc, et finalement, une fois qu'on avait compris que les tapis volants d'école, quand on prononce le mot de passe à l'envers, on échappait au poursuivant. Ouais. Voilà. Ça a l'air pas mal, ça, faut peut-être le reprendre. Oui, écoutez, ça sera un bon fond de tiroir, ça. Si un jour vous voyez une histoire de tapis volant arriver, vous saurez que c'est parce que vraiment je suis désespérée. Premier livre qui vous fait dire, tiens, j'aimerais bien faire ça moi aussi. Premier livre lu, hein, bien entendu. Moi, j'ai été, j'ai été complètement. Il y a eu le journal d'Anne Frank qui a été très très important pour moi. J'étais assez jeune en fait. Je pense que j'étais même trop.
enfin, on n'est jamais trop jeune, mais ça a été important parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une proximité, il y avait quelque chose d'affectif qui se noue avec l'auteur. Donc peut-être que c'est autour de cette affection-là que je me suis dit qu'il fallait... Mais j'ai plus... Enfin, ça a toujours été quelque chose d'un petit peu sommeillant, en fait. Et je me souviens, avant même de savoir écrire, que je faisais écrire ma mère. Je lui dictais des textes, et j'en ai retrouvé un, il n'y a pas longtemps, où je racontais mes vacances. Donc, je ne savais pas écrire, mais je lui dictais tout. Et je racontais mes vacances, et j'avais eu l'heureuse idée, j'avais une prise de sang, de coller le pansement de la prise de sang pour avoir une preuve. Et le pansement est resté collé. Voilà. Donc j'ai retrouvé le texte, le pansement, à peu près 25 ans après. Si jamais vos enfants vous demandent de faire ça, ne le faites pas. C'est pas une bonne idée du tout. Alors, on va faire un assez large passage dans le temps et on va évoquer la période de parution de Mort d'un silence sans en évoquer pour l'instant ce qu'il fait naître et comment un traumatisme public fait ressurgir des traumatismes personnels. Enfin, ce que je dis est un peu basique d'ailleurs. Mais je voudrais qu'on évoque surtout ensemble les trois bons génies, là aussi, si je vous ai lu, je crois, dans une interview, qui ont présidé à votre naissance d'écrivain, ne vous déplaise, en commençant peut-être, si vous le voulez bien, par encore un point commun entre nous, avec les Macarons, la fascination absolue pour l'œuvre de Patrick Modiano. Oui. D'abord, je voudrais dire que c'est toujours important de dire quand on a une dette envers quelqu'un et de dire combien la gratitude... Voilà, enfin, c'est vraiment un exercice de gratitude à la fois de lectrice, parce que Patrick Modiano m'a aidé à grandir, parce que je pense que les livres, c'est juste... aussi important que la vie, donc ça aide à vivre. Et son œuvre m'a vraiment m'a vertébrée, peut-être à des moments où c'était compliqué pour moi. Donc c'était... en fait, Patrick Modiano, c'est aussi une histoire de famille, parce que mes parents l'ont découvert avec la place de l'Étoile au tout début. Donc ils ont été peut-être parmi les premiers lecteurs. Et puis, dans la famille, au moment des anniversaires, et quand on ne savait pas trop quoi faire, et qu'il y avait un Modiano qui était sorti, c'était formidable, parce que c'était le bonheur assuré. Donc, on allait chercher le Modiano à la librairie. Et c'est vrai que comme mes parents avaient vraiment un goût particulier pour Modiano, j'ai attendu un petit peu avant de y aller, parce que, vous savez, quand quelqu'un... Bon, ma mère était toujours là, mais comme mon père était absent, je me suis dit que si je n'aimais pas Modiano, ça allait être une sorte de déconvenue terrible, et puis ça allait me faire créer une distance avec quelqu'un qui était déjà absent, donc c'était compliqué. Donc j'ai attendu 16 ans à peu près, l'âge de 16 ans, avant de le lire. Et là, ça a été une rencontre comme on rencontre un ami, enfin comme on rencontre une voix qu'on a l'impression d'avoir toujours eu proche de soi et en soi, mais quel en même était temps, le livre qui a déclenché ça? C'était Rue des Boutiques Obscures. Ouais. Et puis après, ça a été une évidence. Enfin, c'était quelqu'un avec qui j'ai cheminé, que je lis, que je relis. De ce fait, j'ai fait des études un petit peu... Je ne sais pas comment expliquer. Raisonnables. J'ai fait... qui m'intéressaient un petit peu, parce que j'aime bien savoir comment le monde fonctionne. Mais je fais Sciences Po et l'ESSEC, donc une école de commerce. Et puis, à côté de ça, j'ai fait des études passionnées. J'ai fait lettres. Et donc, en lettres, j'avais très envie de faire un DEA sur de la littérature immédiatement contemporaine, et donc sur Patrick Modiano. Donc, je lui ai envoyé... Il y a une jolie histoire, en fait, derrière, parce qu'il est arrivé un jour à la bibliothèque où travaille ma mère. Et ma mère m'appelle, me fait « Patrick Modiano est dans la salle », comme ça. Et je lui dis « Mais cours-lui après !» Et elle me dit « D'accord !» Elle raccroche, et puis elle me rappelle 2 minutes après, peu non, en disant « Il est déjà parti ». Alors là, j'avais l'impression que le ciel m'était tombé sur la tête. Et il est revenu 3 jours après. Il devait faire des recherches. Et là, ma mère lui dit « Ah, bah, écoutez, ma fille travaille sur vous, elle a écrit son DEA sur vous », et il lui demande de lire le DEA. Donc moi, le cœur en explosion totale, je lui donne le DEA, et Patrick Modiano, très généreusement, c'était au moment de la sortie de La Petite Bijou, me renvoie un livre en me disant qu'il a apprécié il a apprécié mon travail. Et voilà, rien ne se passe. Je pars. J'ai jamais osé le. Parce que je pensais que c'était pas la peine de le harceler non plus. Je pars aux États-Unis et puis j'écris ce qui allait devenir le manuscrit de Mort d'un silence.
Je connaissais personne dans ce qui s'appelle un petit milieu. Et tout le temps où j'écrivais, je me suis dit, il y a une seule personne, à part ma mère, dont la vie compte, dont je voudrais juste avoir l'écho, c'est Patrick Modiano. Parce qu'il y avait l'absence du père, parce que c'était quelqu'un qui m'avait aidé à grandir, tout simplement. Et je lui ai envoyé le texte, en disant, bouteille à la mer, si dans un an, je n'ai pas de réponse, et si c'est important pour moi, toujours, peut-être je l'enverrai à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Et un mois après, même pas, je reçois une lettre à New York avec Patrick Modiano qui m'écrit que le texte l'a beaucoup... Je me souviens de la lettre par cœur. et il me demande s'il veut que je la porte chez Gallimard. Donc là, c'était quand même incroyable. C'est-à-dire que si ça n'avait pas été tellement de drames, tellement de douleurs, c'était juste un conte de fées. Enfin. Et voilà, et c'est lui qui l'a apporté à Teresa Crémisi. Et je suis rentrée de New York le 13 mai 2002. Et le 19 mai, j'étais chez Gallimard. Et grâce à lui, quoi. Et j'ai trouvé que c'était... Enfin, c'est quelqu'un qui est généreux, enfin, tout simplement, déjà de prendre le temps de lire, puis de proposer comme ça, d'apporter un manuscrit. Il savait ce que ça représentait. Enfin, en lisant un pédigré qui est sorti récemment, j'ai compris que l'urgence, que cette urgence, on l'avait eue en commun et peut-être ça, elle l'avait rendu attentif. Mais en tout cas, voilà, c'est grâce à lui. C'est juste, tout est grâce à lui. L'épilogue est joli de cette histoire parce que Mort d'un silence a obtenu le prix Fénéon. Mm. Et je viens de m'en souvenir, donc je dis peut-être une sottise, mais je crois pas. Le premier livre de Patrick Modiano, cette oui. Place de l'étoile que vous évoquiez, qui a dû sortir en 1968, avait obtenu le prix Fénéon. Absolument. Donc, bon, il y a des cousinages qui sont moins jolis que cela. Deuxième bon génie ou roi mage penché sur votre berceau littéraire. Quelqu'un qui apparaît, à mon avis, pour tout journaliste, comme un des pères de la nation, et qui vient de publier ses mémoires. C'est un livre dont je trouve qu'on a regrettablement peu parlé, ouais. Parce que c'est un livre absolument passionnant. J'en profite pour le recommander. Je suis sûr que vous partagerez mon point de vue. Olivier Todd, certainement le plus grand biographe français, certainement un des plus grands journalistes de ces 40 dernières années, et de surcroît un homme tout à fait intéressant. Voilà. Voilà, mais Olivier Todd, c'est aussi, ça fait partie de ses chances. Je l'ai rencontré à New York en décembre 2001. Je n'étais pas au sommet de ma forme, hein, je dois vous avouer, à New York en décembre 2001, j'étais quand même sacrément ébranlée par tout ça. J'ai décidé d'aller voir une conférence sur André Malraux à la maison de l'Institut français. Alors, dans les universités américaines, il y a des conférences partout, tout le temps, c'est formidable. Donc, lui était conférencier sur Malraux. Et puis, bravant une sorte de timidité maladive, je vais le voir et je lui parle de sa biographie de Malraux, de sa biographie de Camus. Et puis, il me dit, il est assez bourru, hein, vous êtes qui, vous, comme ça. Je lui dis, non, moi, je suis juste étudiante ici. Et il me dit, mais vous faites quoi dans la vie? Pour l'instant, je suis étudiante, je vous dis, mais je sais pas. Et il me dit, vous voulez faire quoi? Parce qu'il est très... Alors je dis, mais j'aimerais bien faire de la critique littéraire, mais je connais personne. La critique n'existe pas, le journalisme existe, la critique non. Je dis, je veux bien ça. Alors, mais en même temps, voilà, enfin, j'ai tout à reconstruire, c'est compliqué. J'étais chasseur de tête avant, mais j'ai fait des études qui ne menaient pas forcément à ça. Il me dit, d'accord. Et puis, il a réussi à récupérer mes coordonnées. Deux jours après, coup de téléphone, il me dit, écoutez, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous aider. Alors, avec qui vous voudriez bien commencer à travailler? Et là, je dis, Pierre Assouline, parce que j'ai trouvé, et c'était au moment où il avait cette émission sur France Culture, et puis c'est un autre modèle, enfin, je trouve que ses biographies sont aussi... Il me dit, écoutez, vous voyez, ça tombe bien, dans deux semaines, je déjeune avec lui, quand je rentre à Paris. Donc, donnez-moi un CV, et puis voilà. Et j'ai commencé. Donc, je suis rentrée de New York en mai, le 13 mai, et le 15 mai, j'étais en stage à Lire, donc avec Pierre Assouline. Et ça, comme modèle aussi, c'est vraiment. Enfin, c'est une chance, quoi. C'est juste, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. C'était effectivement le troisième roi mage, sur le berceau. Parution, donc. Quand précisément de Mort d'un silence, 30 janvier 2003. De Mort d'un silence, on peut peut-être rappeler. C'est curieux parce que peut-être ma réflexion va vous paraître, j'espère, pas cavalière et un peu incongrue, mais je trouve que Mort d'un silence, c'est soit effectivement le premier livre
d'une œuvre soit le dernier. Mmh. Mais j'aurais tout à fait compris que ça puisse être le dernier également. Mmh. Enfin, on ne sait jamais quand c'est le dernier en même temps. Oui, mais enfin, la suite a prouvé que ce n'était pas le cas, quoi qu'il en soit. Vous n'avez pas hésité devant le caractère frontal de ce que raconte Mort d'un silence, vous n'êtes pas dit, tiens, peut-être que pour mon entrée dans la carrière, expression que vous n'aimerez sûrement pas et vous aurez raison, il vaut mieux que je fasse rentrer un peu plus la marquise à 5 heures. Quoi. Ah ben, ça a été exactement ça. Ça a été, j'ai beaucoup tourné autour de, bah, de tout, hein, en fait. Aussi bien parler, mais mon parcours, enfin, pas absurde. Voilà, je voulais faire des études qui n'auraient rien à voir avec la littérature. Je voulais être un petit peu loin de ce qui était mon centre de gravité en me disant, parce que si jamais ça se passe mal, alors ça sera terrible. Donc j'avais peur de vivre avec mes passions chevillées au corps, en fait. Et de la même façon, Mort d'un silence, en fait, je le portais en moi depuis, probablement depuis le 13 décembre 90 au matin où j'avais commencé. Enfin, le 15, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que j'écrive quelque chose. Enfin, parce que c'était pas possible de laisser la vie à un état tellement brut et brutal. Mais en même temps, j'ai essayé d'en faire un roman. Enfin, j'essayais comme ça, vaguement. Ça tenait pas une seule seconde parce que c'était trop spécifique. Et puis, j'avais pas envie de créer une sorte de distance parce que c'était faux. Enfin, ça tenait pas. C'était un château de cartes qui marchait pas. Et en même temps, j'avais cette peur d'être vue comme celle qui écrivait jamais sans mon père, ou une sorte de témoignage comme ça, jeté, et qui ferait de moi la fille de. Alors, moi, j'ai absolument aucun problème à être la fille de. Je pense que, de toute façon, quand on vit pas ses filiations, en général, elle vous dévore autrement. Simplement, c'était compliqué parce que j'avais peur qu'on prenne ça pas. Enfin, juste un témoignage, un cri. Comme ça, et donc du coup j'ai vraiment j'ai écrit des romans avant, mais alors j'écrivais en me disant mais c'est pas du tout ça dont j'ai envie de parler. Alors j'écrivais comme si c'était des choses, je faisais des marquises qui sortent et qui rentrent à 5 heures, qui ressortent, qui rentrent, ça sortait dans tous les sens, ça partait dans tous les sens, mais c'était pas ça en fait. Et je me suis dit, maintenant il y a un moment où c'est pas courageux, effectivement c'est un risque d'être peut-être que ce sera pris juste pour un témoignage, peut-être que du coup ça me mettra complètement hors jeu, mais il faut quoi. Il faut. Et puis la vie a décidé pour moi aussi, parce que j'étais à New York le 11 septembre, que tout ce que j'avais ça en moi, mais ça a été c'était évident. Enfin, le texte est arrivé comme ça, et après il y a un moment où de toute façon ça sert plus à rien de réfléchir, et voilà, c'était nécessaire, et je me suis dit bah tant pis. Et c'est vrai qu'après, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le fait que Gallimard ait pris le texte m'a beaucoup protégée. D'abord parce que c'est une maison qui ne vous poussera jamais à aller chez Ardisson quand vous avez décidé que non, vous n'irez pas chez Ardisson. C'est-à-dire que le côté un peu dévoyé, ils m'ont protégée de l'aspect uniquement sensationnel du livre. Même si je sais très bien, et je ne suis pas du tout naïve, que le livre aurait qu'un premier roman aurait probablement eu une exposition moindre, différente, et que ça aurait peut-être pas été un début, ça aurait été un début peut-être plus tranquille. Mais puisque j'avais choisi ça, enfin, puisque la vie avait choisi et que j'avais choisi, eux ont été vraiment formidables parce qu'ils m'ont protégée et ils m'ont pas fait aller là où je ne souhaitais pas aller, et du coup, ça peut-être que les choses ont été plus simples ainsi. Mais c'est vrai, quand j'ai refusé beaucoup de talk show et jamais j'ai eu même un regard de travers, donc c'est quand même très appréciable. Et vous, pendant le temps de l'écriture, est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, quel que soit le côté douloureux, on va pas revenir là-dessus, du livre, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de la jubilation dans l'écriture, en disant ça y est, je tiens le truc, je tiens la voix, je tiens le rythme, et c'est un bonheur quand même? Moi, j'avais cette voix tout le temps qui me disait « il faut que je trouve la lumière ». C'était dur, c'était vraiment tellement dur. J'arrivais pas à jubiler tellement parce que autour de moi, il y avait toujours cette odeur de mort. C'est bête à dire, mais je veux dire, à New York, ça a cramé pendant un mois et demi, hein, les tours. Et quand vous sortiez, il y avait cette odeur-là. Et moi, j'écrivais parce que c'était important de...
Mais c'était pas possible d'être dans la jubilation. Même si je me disais, ça y est, là, je sens que ça y est, parce que j'écrivais, j'ai retrouvé mes manuscrits, on les voit à la fin de La Fille du Juge. Il y a quasiment pas de rature, en fait. C'était comme ça, en fait, comme une sorte de réponse de vie à tellement de morts. Mais j'arrivais pas à... J'avais plutôt le sentiment d'un souffle et d'une nécessité de trouver la lumière que d'une jubilation. Et la seule jubilation, si on peut appeler ça comme ça, c'était le fait de me dire, je vais casser cette chape. Et il y avait on a touché le fond, alors maintenant il faut rebondir, quoi. Alors justement, vous venez d'évoquer La Fille du Juge. Le livre a connu une espèce de deuxième vie, c'est assez rare, surtout aussi proche quand même de sa parution. Mmh. Espèce de deuxième vie avec cette adaptation qui n'en est pas vraiment une, ce documentaire qui n'en est pas complètement un. Ce film en tout cas, parce que c'est pleinement un film, de William Carell sous le titre La Fille du Juge. Je ne vous demanderai pas ce que vous pensez du film, parce que ça, à la limite, bon, peu importe. Mais comment vous avez vécu, parce que je trouve ça très très violent. Enfin, j'imagine d'abord, est-ce que vous avez collaboré avec Carell, et comment vous avez vécu cette incursion par les images qui rend quand même tout plus violent. Enfin, je n'ai pas d'autre terme que ça. Moi, j'ai trouvé que c'est un film assez violent, au fond. Oui. Ouais. En fait, j'ai été, à partir de la sortie de Mort d'un silence, j'ai été vraiment beaucoup sollicitée parce que certaines personnes voulaient en faire un docudrama, que c'était un sujet. Il y avait un sujet, ça c'est la phrase. Là, il y a un sujet. Et puis je disais non à tout et j'ai rencontré William Carell et j'ai été. Ça a été une rencontre. Et lui m'a expliqué qu'il ne voulait pas faire un documentaire où il y ait une enquête. Il voulait simplement faire un champ contre champ, montrer les images d'une petite fille face à au fracas du monde, à la violence de l'actualité. Et finalement, il voulait faire, c'était une sorte de regard filmé sur ce qui était ma vie, parce que c'était ça en fait, c'était à la fois les images du 20h et les phrases Tagada. Et il m'a expliqué aussi que à travers ça, c'était en lisant le scénario, j'ai compris que c'était aussi une sorte d'ultime hommage que je pouvais rendre à mon père. Et lui avait besoin de documents d'archives pour que justement cette intimité face aux documents de nos propres archives, donc des photos, etc., face aux documents de l'INA, Libération, aux couvertures de l'époque. Et ça a été très compliqué avant d'accepter, mais très compliqué. J'ai des souvenirs de nuit où j'ai regardé le plafond. Je l'ai regardé beaucoup, ce plafond. Hein. Et je me disais, qu'est-ce que je fais ? Parce que est-ce que ça va pas être du voyeurisme ? Est-ce que il y a une violence de l'image, hein, qui est différente ? Les mots, ça protège d'une certaine manière. Même si ça tue, ça protège aussi. Et voilà. Et juste. Il y a cette voix qui parfois me vient et me fait faire n'importe quoi, enfin pas trop quand même, mais qui m'a dit il faut. Il y a quelque chose qui me dit qu'il faut lui faire confiance et voilà. Et j'ai pas participé au documentaire. Je lui ai fait vraiment confiance. J'ai eu un peu peur, je dois avouer, en me disant mais c'est peut-être une grosse bêtise et comme j'étais une grosse exposition en plus. Enfin c'est très très. Oui, en termes d'image, j'étais très exposée et d'un coup j'ai eu un peu peur aussi. Mais voilà, j'ai pris le risque et aujourd'hui, le film répond au livre. Et puis c'est quelque chose de. Donc c'est une lecture par Elsa Silberstein du texte, un quart, et avec des images d'archives. Et quand j'ai vu le film en avant-première. Forcément, j'ai tenu la main de ma mère pendant 1h25. Ça, c'était un petit peu, mais je me suis dit que j'avais accompli mon devoir un petit peu, et c'était très très étonnant en fait. Parce que en écrivant le livre, j'avais l'impression d'écrire pour trouver la lumière pour aussi tous ces gens qui avaient perdu un proche et à qui j'avais envie d'offrir ce livre. Et là, avec ce film, j'ai vraiment le sentiment que. Il y a un journaliste qui a dit que ça donnait l'impression d'avoir retrouvé un ami qu'on n'avait jamais eu. Je me suis dit que c'était bien pour mon père, en fait. Et que c'était... Il y a une phrase en Roumanie qui dit
là où la justice ne fait pas preuve de mémoire, que la mémoire soit preuve de justice. Et voilà, j'ai eu l'impression que c'était un peu une réparation. Et puis surtout, c'est vrai, de voir ce que je pouvais faire comme fille pour mon père. Et que tout ça, finalement, qui était insupportable, avait peut-être été vain, parce que voilà, il n'est plus là, mais qu'il y avait peut-être... c'était un peu moins vain, en fait. Et du coup, alors, c'est vraiment comme si la boucle était bouclée, parce que... Enfin, c'est jamais complètement bouclé, mais... Maintenant, tout ce qui m'arrivera, c'est du bonus. J'ai fait ce que je devais faire, je pense. Et voilà, enfin... C'est très, très étonnant, mais... S'il m'arrive des choses bien, c'est bien. Et si je dois aller vendre des sandwichs parce que tout s'arrête, c'est pas grave. J'ai pas une passion particulière pour les sandwichs, mais voilà, j'ai fait. Encore un moment. On va continuer à dévider le fil bio-bibliographique des livres de Clémence Boulouk. Mais après notre découverte de Mort d'un silence, il y a eu pour tous les lecteurs... De journaux et de suppléments littéraires dans les quotidiens, la découverte de Clémence Boulouk, critique littéraire. Et très sincèrement, c'est un compliment confraternel, là, en l'occurrence. Moi, je me souviens de certains papiers où je me suis dit « Waouh !» Celui-là, j'aurais... Je crois que c'est un jeu. Celui-là, j'aurais aimé l'écrire. J'aurais aimé l'écrire comme ça. Je vous cite un exemple pour pas passer pour plus flagorneur que je ne le suis naturellement. Le papier que vous avez écrit sur Amos Oz, sublime livre, une histoire d'amour et de ténèbres. C'était dans le Figaro, je crois. Oui. J'étais tout à la fois très admiratif et très très envieux, très jaloux. Oui. Mais j'aimerais savoir la façon dont votre vie de romancière, si j'ose dire, et votre métier de critique littéraire, car c'est un métier, peu de gens le conçoivent comme tel, mais c'est un métier pourtant, se répondent, est-ce que ça rentre en conflit, est-ce que... Je trouve que vous êtes un écrivain intéressant, notamment parce que vous êtes une lectrice, et que ça paraît assez bidon ce que je raconte, mais en fait non, il n'y en a pas tant que ça, et vous semblez être une lectrice fervente. J'ai bien fait de venir. Une petite... Attendez, c'est pas fini. Ouais. Non, enfin, moi, j'ai toujours... C'est vrai que j'ai toujours lu et j'ai toujours... Enfin, pas toujours écrit, mais c'était... J'ai écrit parce que... Enfin, j'ai lu parce que c'était tellement important. Je voyais que c'était quelque chose qui allait être central dans ma vie. Alors, du coup, j'ai appris à lire un peu avant les autres. Enfin, un peu avant l'âge requis Et pour moi, c'est une respiration. Donc, effectivement, en plus, j'ai fait en sorte que ça rentre pas en conflit avec avec ce que j'écris, parce que je m'occupe uniquement de littérature étrangère. Je m'occupe du lointain et je m'occupe pas des trucs germano-pratins et de choses qui sont finalement qui élèvent pas vraiment l'âme, parce que je pense que être dans une sorte de... Enfin, c'est étouffant, je pense, hein, d'être dans cette espèce de bagarre de rue de Saint-Germain-des-Prés. Ça m'intéresse pas une seule seconde. Et c'est vrai que, ayant fait ce choix, et à partir du moment où les gens ont compris que c'était pas la peine parce que je renvoyais pas les ascenseurs, etc., j'ai une vraie liberté. Et une liberté de regarder loin aussi et de me dire, oh là là, là il se passe des choses en Bosnie-Herzégovine. Je pense qu'il y a des livres absolument extraordinaires comme Dubravka ou Grzić, qui n'est pas assez connu, mais qui fait que je me dis, là il y a quelque chose. Et du coup, ça me donne envie d'aller sur place, ça me donne envie de connaître les gens, ça me donne envie de voir quelles sont leurs inspirations. Et c'est une sorte de ramification et de... ce que je dis aussi souvent, c'est que quand on est orphelin, ben on a toute sa famille à se recomposer parce que on se recrée des familles. Et là, effectivement, peut-être c'est une façon de me recréer une famille intellectuelle ou littéraire et qui est important aussi. Alors c'est vrai que ça entre en conflit, mais sur le plan le plus bête de la terre, c'est que ça prend, ça prend beaucoup de temps de faire son travail correctement, tout simplement de faire les choses avec conscience. Donc parfois, ça me rogne un petit peu le temps que je consacrerai à l'écriture,
Mais en même temps, voilà, c'est un métier. Et si j'étais, si je faisais autre chose, si j'étais médecin, je pourrais pas dire à mes patients, attendez, vous êtes gentil, là, mais j'ai quelque chose à écrire. Donc voilà, je pense que c'est... Puis gérer l'urgence, c'est aussi peut-être important. Et puis, du coup, j'écris la nuit. Enfin, mais ce qui est important, c'est que simplement, ça crée un... Au lieu d'enfermer, j'ai l'impression que ça me crée un souffle, un appel d'air, en fait. Alors, on va évoquer maintenant le deuxième roman de Clémence Boulouk, mais auparavant, parce que je crains d'avoir un petit peu cavalièrement, pour le coup, monopolisé la parole, y a-t-il des questions, des réflexions ? Je vous remercie de me déculpabiliser si gentiment. C'est pas grave, moi j'en ai plein. Je suis là pour ça. Sujet libre, donc deuxième livre de Clémence Boulouk. Alors, en lisant le dossier de presse extrêmement conséquent que m'a envoyé Gallimard sur Chasse à court, je me suis aperçu qu'il était souvent dit que Sujet libre était un livre qui peut-être était paru trop vite après Mort d'un silence. Je trouve que c'est d'une sottise peu commune. C'est Big BD qui l'a dit. Ah oui. Alors pardon pour le... Pardon pour la redondance, parce que Big BD sottise... Si, désolé, c'est un peu vipérin, je recommencerai plus. Aussi, dans le cas d'espèce, vous pouvez. Un, ça n'a rien à voir. Deux, ça prouve que vous n'avez pas une gestion... comme d'autres, justement, de votre carrière littéraire. Vous savez, n'importe quel éditeur vous dira toujours, quand vous avez ça a bien marché, votre premier livre, il faut que tu attendes un an et demi, deux ans avant de publier le deuxième, tu publies pas à la même période, etc. Vous connaissez tout ça mieux que moi. Donc ça ne rentrait pas en ligne de compte. Et quant au livre à proprement parler, parce que personne n'en parle en l'occurrence, moi je trouve que c'est votre tribu modianesque, votre premier évident tribu modianesque, je trouve que c'est votre rue des boutiques obscures à vous. Wow. Oui, si. Déambulation nocturne, parisienne, un peu dépressive, entre Maurice Saxe et Simenon. Est-ce que c'est un livre dont vous êtes contente, vous ? Mais moi, c'est un livre qui me fait du mal au cœur, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'est pas aimé. Vous voyez, c'est comme s'il y a un petit enfant mal aimé dans la famille, alors quand on me dit « Oh, j'ai beaucoup aimé Sujet libre », je regarde les gens en me disant, c'est incroyable quand même. Il y a un moment de quasiment de... Je suis quasiment interdite parce que c'est drôle, hein, mais ce livre, c'est un livre... Comment il est né, ce livre ? Enfin, il est né de quel désir ? Il est né de cette interrogation sur deux rencontres improbables de cette jeune fille qui aurait des problèmes avec ses origines... pied noir, en fait, fille de rapatriée d'Algérie, et qui serait amenée à travailler sur un auteur qu'elle déteste, en l'occurrence Simenon, et qui est son contraire. Et en fait, c'était la rencontre entre ces deux contraires, parce que Simenon, c'est quand même ce personnage, parce qu'elle conjugue à peu près, pas tous les échecs, mais un certain nombre, ou du moins, elle le croit, et lui est quelqu'un qui se conjugue au superlatif, qui a eu tant de femmes, qui est un écrivain plus que prolifique, qui est La forêt à livres. Et donc, moi, ça m'intéressait de faire cette rencontre qui fait qui, en même temps, conduit à ce constat, c'est que finalement, c'est les deux faces de la même monnaie, c'est-à-dire que tous deux sont des êtres en quête, et que les quêtes, ça peut être aussi bien le rien que le tout, mais que ça peut être, enfin, ou le trop plein que le pas assez. Mais ça renvoie à une même humanité. Et voilà, j'ai eu le sentiment que le livre était pris... on m'a dit, bon, c'est publié trop vite. Bon, ça c'est... Et qu'il était pris comme une autofiction d'une fille qui a... En l'occurrence, elle était plus âgée que moi, mais une jeune fille qui est comme ça, un petit peu en train de faire différents métiers d'intellectuel précaire... et qui s'interroge sur ses origines. Alors, c'est vrai que peut-être que le tort, c'est que... Enfin, non, mais c'est pas un tort. Il y a des interrogations qui me sont propres, mais ces interrogations sur la transmission, sur les silences, parce que cette Violaine Bellassène en question
considère que ses parents, qui sont rapatriés d'Algérie, ne lui ont rien transmis de l'Algérie et qu'elle souffre de ce silence. C'est une interrogation qui m'est propre et qui parle aussi de ma famille, de mes origines. Mais ce n'est pas suffisant pour aller chercher l'autofiction en permanence. Et ça n'en était pas une. Enfin, bon, peut-être j'étais aussi victime de la queue de la comète Justine Lévy parce que c'était sorti 3 semaines après. Et du coup, toutes les filles qui publiaient... on était en photo de groupe comme ça, et moi je fais plus les photos de groupe hein, parce que après c'est n'importe quoi dans les articles. Ils considèrent comme on a été en photo, on est pareil, alors sur la même photo. Et donc voilà, j'étais en train de raconter ma vie alors, et mes ennuis et tout, et c'était pas du tout ça en fait. Donc du coup, j'ai vraiment le sentiment d'une méprise, mais bon, c'est peut-être un voilà, c'était peut-être qu'il fallait que ce soit comme ça, mais c'est un rapport assez curieux d'avoir un livre comme ça qui est. Le terme d'autofiction me paraît très curieux, moi, et par rapport à ce livre, et d'ailleurs par rapport à l'ensemble, en tout cas des trois livres que vous avez publiés chez Gallimard, j'allais dire des trois romans, vous voyez. Vous en êtes avec cette espèce de tâche presque vulgaire, je trouve, qu'on a tendance à apposer sur les livres, dès lors que ça flirte, j'allais presque dire nécessairement, avec l'histoire de chacun, le moi, le jeu, etc. Est-ce qu'un pédigré de Patrick Modiano est de l'autofiction ? Si oui, vive l'autofiction. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pendant toute une période, dès qu'il y avait un écrivain vaguement dépressif qui racontait qu'il avait trop bu et que du coup, il avait des problèmes parce qu'il avait été face à face avec son évier pendant 5h50 après une soirée où il avait en plus pris certainement des substances illicites, c'était une autofiction. C'était ça aussi, c'est fait partie des dommages collatéraux de la littérature américaine qui est arrivée, et du coup, les auteurs ont voulu faire tous du Bret Easton Ellis en se racontant plus ou moins en version Destroy, où les femmes voulaient faire des choses un petit peu hard, et voilà. Et je pense qu'on a été victime de ça, et ce qui fait que l'autofiction a été ramenée à une sorte de gnien 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 Saint-Germain, enfin complètement auto-centrée, et que. Et que c'est un terme qui est devenu très dépréciatif, mais c'est vrai que Patrick Modiano, ça peut être une autofiction. Enfin, les catégories de critique littéraire de l'autofiction sont beaucoup plus larges que ce que la presse en a fait. Oui, comme une sorte de façon de raconter des choses qui sur soi-même, en fait, des espèces de confessions qui sont un petit peu étouffantes. Donc voilà, de toute façon, en plus, c'est bête parce que, enfin, d'une certaine manière, chaque livre est aussi un reflet de soi. Moi, je pense que Jassacourt est un reflet aussi de. Alors voilà, alors il y a l'autre. Alors, et oui, dans la série aussi, il est un petit peu énervant. Donc, Sujet libre était une autofiction, d'accord. Et Jassacourt, c'est très énervant parce qu'alors, on ne me reconnaît plus du tout. Parce que forcément, le narrateur est un homme de 32 ans, pas très sympathique. J'espère que je suis. Et alors, du coup, alors soit c'était trop proche de moi, soit c'était plus moi du tout, et alors je sais pas. En fait, le résultat, c'est qu'on s'en moque, mais c'est très drôle parce que il y a des cases, et alors si c'est pas exactement la bonne case, je sais pas. Alors venons-en à Jassacourt, puisqu'après tout, c'est le prétexte, si j'ose dire, ou le post-texte en l'occurrence, de votre venue parmi nous. Changement de décor, effectivement. Un univers que vous connaissez bien. Voilà, aussi, la presse l'a beaucoup dit. Oui, effectivement, vous savez ce que c'est qu'un chasseur de tête, mieux que moi, qui pensait que c'était le titre exclusivement d'une aventure de Lucky Luke. Donc, on apprend des choses. Je sais pas comment définir, d'ailleurs, faut-il définir ce roman. Est-ce que c'est une fable dans votre esprit, ou surtout pas Ça pourrait. Ouais. Hein. C'est en fait, ce livre a été écrit par. C'est une fable énervée. Parce que je pense qu'on est dans une époque extrêmement cynique. Et que. Moi, effectivement, je me suis servi de cet environnement très spécifique où. D'une certaine manière, beaucoup de coups sont permis, pas tous, mais beaucoup, et qui est un terreau pour le cynisme, parce que c'est vrai que le but du jeu est certainement de servir ses propres fins en faisant passer ça, puisqu'il s'agit de mettre en place des cadres dirigeants, donc en faisant passer ça pour vaguement un intérêt pour l'humain, ce qui veut quand même pas grand chose, enfin pas dire grand chose,
Et il y a un côté quasiment cosmétique, parce qu'il y a une sorte d'écoute, plus ou moins, des désirs des uns et des autres, une façon de jouer, oui, avec, avec les individus, tout simplement pour servir ses propres, sa propre carrière, et c'est une carrière de nanti. Donc, moi, c'était vraiment ça dont j'avais envie de parler. Et en attaquant ce cynisme-là, j'avais besoin de dire que c'était une vraie défaite de nos sociétés. Parce que les cyniques, on en fait ce qu'on en veut, ils connaissent les règles de la société, ils connaissent les règles du jeu. En général, ils gagnent, mais c'est des victoires à la Pyrrhus. Et quand on est cynique, eh ben, ce que j'ai dit un jour à une radio, bah, les cyniques, ils votent les pleins pouvoirs à Pétain, point. Je veux dire, c'est vrai qu'on est plus à l'abri, on risque rien, et puis voilà, et au final, on détruit quand même beaucoup, beaucoup de choses, et certainement son environnement, et soit au passage, parce que renoncer à ses rêves d'enfant, ou pas forcément d'enfant, mais renoncer à ce qui fait une certaine noblesse de l'homme, et ben, c'est juste une défaite pour tout le monde, et c'est une dépression. Enfin, et c'est très drôle, parce que en parlant de gens que j'aime pas trop, je me suis retrouvée sur un plateau. Alors vraiment, là pour le coup, c'était horrible. En face d'Ardisson, dans la même émission, qui avait rien à voir. Enfin, je sais pas pourquoi on avait été invités ensemble. Enfin, je sais toujours pas. Hein. Et lui disait oui, alors en fait, moi j'ai fait de la télévision parce que je suis le nouveau Bernard Pivot parce que je fais vendre tellement de livres. Alors j'ai eu un petit con comme ça. Il a fallu que je dise deux trois mots, mais. Et il me dit, mais oui, parce qu'en fait, moi, je place rien de plus haut que la littérature et la télé, c'est un pis-aller. Mais moi, je voulais être écrivain. Mais bon, quand on est écrivain, on prend pas le Concorde pour aller aux pierres. Et ce type m'a paru, mais d'abord, j'ai trouvé ça vraiment piteux. Mais j'étais tellement déprimée, il a fallu que je lui dise, hein, parce que c'était, je lui ai dit qu'il me semblait très déprimé, parce que finalement, son cynisme, bah, il y a un moment ou un autre où il se l'était repris dans la figure. Et puis ça a été un peu coupé au montage, mais en attendant, c'était dit. Et voilà, et je pense qu'on est dans cette époque qui, si elle est déprimée, c'est aussi qu'elle a perdu un petit peu de son âme. Et c'est l'histoire de quelqu'un qui perd son âme, chasse à court, je trouve. Rappelons pour l'anecdote que Thierry Ardisson a été condamné pour plagiat à l'occasion de la publication de son dernier roman. C'était il y a une quinzaine d'années, c'était chez Albin Michel. Il lui est arrivé cette aventure merveilleuse de l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que son nègre a plagié. Et je lui ai posé la question sur le plateau. Et je suis sortie de là, je me suis dit, alors de toute façon, comme je ne voulais pas aller chez lui, mais là, je ne serai jamais invitée, c'est parfait. Et alors, il a dit, oui, oui, non, mais c'était un jour, j'avais signé un avaloir chez un éditeur, il ne faut vraiment pas signer des avaloirs. Et un dimanche après-midi, j'ai pété les plombs, j'ai fait plein de photocopies. Alors, pour quelqu'un qui place le plus haut la littérature. Voilà. Un des éléments qui semble... On pourrait en discuter pendant des heures de ça. Parce que c'est à la fois métaphorique, tout à fait précis, concret, et qui court, à la fois dans vos articles d'ailleurs. Et c'est aussi un hommage qu'on doit vous rendre. Et dans vos livres, c'est la question de la judaïté, une judaïté d'autant plus importante qu'elle est aussi, vous allez nous expliquer ça, une judaïté choisie. Donc vous êtes d'accord avec... Et une judaïté qui est à la fois une aventure de la fiction... Et puis votre judaïté. Elle est ancrée dans... Être juif, c'est un roman du XXe siècle aussi, d'une certaine manière. Ouais. Bon, oui, enfin, c'est... je pense que c'est effectivement... C'est une question compliquée. Alors, alors là, ça va faire... Quand j'étais petite, je m'amusais à imiter Patrick Modiano, mais là, je ne fais pas. C'est compliqué. Alors, ouais. Bon, alors, normalement, tout va venir dans le mauvais ordre. Mais en fait, c'est le roman du XXe siècle dans la mesure où c'est vrai que la judéité perdue puis retrouvée, c'est le destin d'un certain nombre d'entre nous. Moi, je suis issue d'une famille du côté de ma mère, un peu ashkénaze, tout ça, mais vaguement effiloché, et puis du côté de mon père, c'était des juifs marocains qui sont arrivés, enfin algéro-marocains. Mon grand-père est arrivé en France en 36. Il s'appelait Prosper Bouloukbachi, sa mère s'appelait Cohen. C'était pas vraiment très très bien comme période. Il a été pris en camp, enfin, il a été pris comme officier, donc il a échappé au camp.
Et quand il est rentré en France après toute sa captivité, puis bon, il est reparti un peu au Maroc, puis il est revenu. Et il s'est dit qu'il fallait être plus français que les Français. Donc il a changé son nom de famille. Il s'est plus ou moins, apparemment, il s'est plus ou moins converti, mais c'est pas très clair. Sauf que quand il est juste avant sa mort, il a dit non, nous, on est des Juifs marocains. Et d'ailleurs, turcs plus loin. Et sachez-le. Donc ça, c'est un héritage assez compliqué à gérer. Qui fait que c'est à la fois une transmission, mais en même temps c'est un choix, parce que selon les biens orthodoxes, tout cela s'est perdu. Et en même temps, comme disait mon père, on n'est pas juif pour les juifs religieux, et on l'est pour ceux qui ne le sont pas. Donc, c'est effectivement une façon d'embrasser le siècle, parce que c'est aussi peut-être une sensibilité particulière à tout ce qui se passe autour des années 30, et puis donc qui est un peu mon terrain obsessionnel, partagé avec un certain Patrick Modiano et pas mal d'autres. Et puis c'est une façon aussi peut-être d'être plus sensible aux écorchures de l'actualité. Moi, le conflit israélo-palestinien, je le vis comme une croix. Très bonne métaphore, là, la croix. Et qui me rend, oui, effectivement, peut-être plus à l'écoute de ces fracas-là, enfin. Et puis, par porosité, je pense que là, il y a le 1er février, il y a un voyage des étudiants juifs de France qui part au Rwanda. Parce que quand il s'est passé quelque chose comme ça, je pense que là. Je suis absolument folle de rage contre la victimisation de la société. Je supporte pas les conflits de victimaires et cette sorte de concurrence, parce que c'est quand même ça implique des responsabilités, pas des droits d'être une victime. Et ça rend pas plus intelligent, c'est pas vrai, c'est comme le malheur. Enfin, je pense que vraiment, si c'est pour que ce soit source de droits, c'est très triste d'en faire ça. Et je pense qu'effectivement, c'est. Ce rapport-là, choisi peut-être aussi à l'étude, à tout ce que ça implique, ça me dessine. Et c'est pas un hasard que tout se soit mis en place quasiment au même moment dans ma vie. J'ai longtemps, je me suis cachée, j'étais marane, en fait. C'est beau, le maranisme, hein, mais c'était, j'avais besoin de me rencontrer avec ce qui est. Oui, ce qui me porte, finalement. Et c'est pareil, il y a un moment où je me suis dit, bon, je peux continuer à jouer, à me cacher, au chat et à la souris. Simplement, c'est pas courageux. Et je sais pas si le courage est une vertu en soi, mais simplement, je sentais qu'il fallait. Enfin, il y a ce côté de voir. Et voilà. Ça court dans... dans Mort d'un silence, parce que avoir commencé, c'est un peu un petit caillou sur la tombe de mon père, c'est un peu une sorte de kaddish, une prière pour les morts. C'est aussi un texte qui est entouré des citations de Paul Celan et de Ossip Mandelstam, qui sont deux auteurs qui ont été très très importants pour moi. C'est court dans Sujet libre, dans Chasse à court, un petit peu aussi à travers le personnage d'Esther. Qui, alors, pour le coup, si jamais on voulait jouer au jeu de cette différence, pour le coup, Esther, c'est moi. Et d'ailleurs, dans la première version, elle s'appelait Esther Zeanis, qui veut dire en hébreu Esther, c'est moi. Et puis, c'est mon prénom hébraïque, donc voilà. Et c'est un personnage complètement claque comme ça, mais qui se fait en plus. Il y a pas mal d'anecdotes qui. Voilà, donc pour le coup, je revendique qu'il y a une partie. Et puis, vous vouliez parler peut-être d'avenir. Là, les textes sur lesquels je travaille sont. Il y en a un qui est autour de. Qui concerne Stefan Zweig. Donc, il y a aussi ce côté viennois important. Et puis, il y a eu les femmes d'Afrique du Nord. C'est peut-être que aussi ce qui fait cohérence, ce qui fait sens, c'est que c'est chercher les traces. Que dans des communautés, je suis partie par exemple sur les traces des communautés juives de Pologne et d'Ukraine qui sont complètement anéanties, alors que ça a été un âge d'or incroyable.
aller chercher ce qui reste de la mémoire là où apparemment tout est effacé. C'était la même chose que d'écrire un livre pour parler de la mémoire de mon père. Je pense que c'est un devoir aussi qu'on a de faire que le monde ne se referme pas complètement sur vous, même s'il est violent. Et ça me fait penser à Patrick Modiano qui dit à un moment, il parle de Coco Lacour dans un de ses livres. Il dit, si j'étais pas là, qui aurait pu enregistrer le passage de ces personnes sur Terre? Et c'est ce qui court aussi dans Dora Bruder. C'est cette nécessité de dire que quelqu'un est passé. C'est pas forcément des gens qui ont changé la face de la Terre, mais simplement être rien qu'un homme, c'est important. Et voilà, c'est juste porter témoignage. J'aime pas dire c'est un témoignage, mais porter témoignage, c'est important. Avec quand même les vertus du romanesque et de la fiction aussi, et pas stricto sensu. Il s'agit pas ici de remettre en cause la qualité d'un certain nombre de témoignages, par exemple nés de l'expérience des camps, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais. C'est. Mais je pense qu'en plus la fiction peut toucher. Mais d'abord, il y a quelque chose qui m'a toujours surpris. Par exemple, Colette, à un moment, quand elle écrit Le blé en herbe, elle n'a pas encore eu cette histoire avec ce jeune homme plus jeune. Et finalement, moi, il m'est arrivé des choses vraiment bizarres. J'ai écrit des textes, et puis ça m'est arrivé juste après. Et alors, du coup, je fais très attention maintenant, parce que quand j'écris des horreurs, je me dis, oh là là, j'espère que ça ne va pas m'arriver, parce que... je pense qu'il y a un pouvoir de la fiction, finalement, comme si les choses étaient performatives. Et d'ailleurs, Patrick Modiano en parle aussi, en disant comme si ça donnait accès à quelque chose qui est dans l'air, comme le grain de l'air, enfin, comme si ça se sentait. Et donc, voilà, et c'est vrai que c'est pas la même chose que de témoigner. Et d'abord, ça serait pas respectueux de vouloir témoigner à la place de ceux qui peuvent témoigner. Toujours pas de questions ou d'intervention. Si, moi j'avais envie que vous parliez un petit peu plus de Chassin-Cour, qui m'a un peu. Le livre m'a un peu désorientée à première lecture, parce qu'effectivement, on aurait. Je vous imaginais pas en train d'écrire ça. Mais bon, alors si vous pouviez en parler un petit peu plus. Comment dire ? C'était important pour moi d'écrire Chassin-Cour, d'abord, comme je vous ai dit, parce que c'était une fable sur le cynisme contemporain, parce que je voulais être dans la peau d'un homme. Je voulais voir ce que, en termes purement romanesques, essayer de devenir complètement quelqu'un d'autre et de devenir vraiment mon opposé. Des Frédéric Marquez, j'en ai pas fréquenté tant que ça, parce que ces gens-là, en général, je les mets un peu à distance assez vite, enfin, si c'est possible. Mais c'était. J'imagine que quand c'est un animal à sang-froid, c'est quand même. Il a un côté un petit peu monstrueux, même s'il a des côtés très, très humains. Enfin, pas humains, mais d'une fragilité qui devient nauséabonde pour les autres, parce qu'il il transforme sa fragilité en une machine à broyer autrui, je trouve. Mais finalement, en parlant d'un personnage comme ça, ou en devenant celui-ci. C'est aussi une façon de dire de attention à ce qu'on peut devenir. Et c'est un raisonnement par l'absurde quasiment, moi, que j'avais envie de mener. D'abord, quand j'ai écrit ce livre, à la fin, j'en pouvais plus, je ne le supportais plus. J'avais vraiment envie de le passer à la moulinette. Je me souviens d'un jour, c'était en janvier à peu près, je savais que c'était fini. Et j'ai dit à ma mère, mais je ne peux plus supporter ce type, il va me bouffer. Parce que c'est vrai que je l'avais complètement introjecté. Et parfois, je passais dans la rue et je voyais des filles. Il a quand même un comportement avec les femmes assez odieux. Et je voyais des filles et je me faisais des réflexions vagues dans ma tête parce que je pensais comme il aurait pensé. Et alors là, quand j'ai commencé à me dire, ah ben celle-là, alors, c'est Lilith, quoi. Je me suis dit, ouf, il faut absolument... Enfin voilà, il commence à déteindre trop méchamment sur moi. Et voilà, et c'est vrai que essayer de comprendre, c'était intéressant pour moi d'essayer de comprendre ce que j'ai du mal à comprendre, mais ce qui est la même démarche en fait que d'essayer de comprendre, quand je parle des années 30, d'essayer de voir ce qui se passe dans la tête de ces gens qui choisissent d'être déshumanisés en fait. Effectivement, peut-être que ça désoriente parce que apparemment il n'y a pas de, c'est des gens tellement secs, tellement durs que c'est pas moi. Enfin honnêtement, je pense que je pourrais pas être un des leurs.
Mais c'était important d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, ces animaux-là. Voilà. Vous avez vécu dans cet environnement professionnel ? Oui. J'ai travaillé pendant un an et demi. C'était pas, c'est pas une caricature. Hein. Les gens qui l'ont lu, alors les gens qui ressemblent un petit peu à Frédéric Marquez l'ont lu, n'ont rien dit. Donc le silence était quand même assez criant. Et les personnes qui ont un peu plus de détachement face au milieu m'ont dit que j'épinglais quand même les déviances de tout ça. J'ai vu cet environnement-là. Moi, quand je suis rentrée, donc c'était en 2000, en fait, c'était au moment de la bulle Internet, où les jeunes gens étaient d'une arrogance, mais alors exceptionnelle, où tout le monde, à la sortie des écoles de commerce, avait entre 5... Quand on se débrouillait mal, on avait 5 offres d'emploi, mais quand on était vraiment bon, on pouvait en avoir une dizaine. Et où, du coup, il y avait cette forme d'arrogance des jeunes cons, en fait, à qui on a toujours dit que c'était les meilleurs et qui du coup considèrent que avoir été bon élève, c'est un brevet de qualité pour le restant de leurs jours, ce qui est quand même terrifiant. Et moi, ça, j'avais envie d'en parler aussi, de ce côté qui est vraiment grave, à mon avis, en France, de fait dire voilà, donc à 18 ans ou 17-18 ans, vous avez, en général 17 d'ailleurs, parce que c'est des gens qui ont sauté les classes, vous avez votre bac, vous allez faire une école de commerce, vous allez être labellisé élite. Et après, faites ce que vous voulez, quoi. C'est pas grave. Moi, j'ai vu des gens qui sont faits, mais décervelés, littéralement. Je parle pas de mes copains qui sont devenus énarques, parce que il y en a pas mal qui ont eu des petits problèmes. Enfin, je vois beaucoup moins, parce que juste simplement, je pense pas que faire une école ou avoir réussi un concours à un moment ou un autre, ou avoir apparemment tous les labels de qualité. Ça fait de vous un homme, enfin, ça fait de vous une machine, ça fait de vous une machine à sang-froid, mais tout le reste reste à construire. Et c'était ça aussi dont j'avais envie de parler, que de cette élite qui en est pas une, et qui encore une fois, c'est comme les victimes, quoi, qui renverse les choses, et qui fait que être l'élite, c'est juste un surcroît de responsabilité. Si vous considérez que vous faites partie des élus, ben voilà, on en arrive à l'élection. C'est pas du tout parler du peuple élu, c'est juste une source d'ennui. Mais alors vraiment, puisque si vous êtes élu, vous avez plus de responsabilités, parce que sinon, ben, vous faites rien dans votre coin, et puis personne ne vous demande rien. Et voilà. Et c'était ce que j'avais aussi envie de dire, savoir que ben, si vous, c'est pas possible de jouer de façon personnelle. Quand vous considérez que vous avez atteint un certain niveau de je sais pas trop quoi qui vous rend qualifié pour diriger les autres, c'est tout, parce que c'est juste une usine à drame de considérer que finalement vous êtes votre propre mesure, en fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que c'est du coup la vie devient une chasse à cours, vraiment, avec une volonté aussi de ne pas excessivement caricaturer les personnages, de toujours, pour reprendre le mot de Renoir, leur laisser leur chance quand même, leur chance d'humanité, si résiduelle soit-elle. Ouais. Même si en leur laissant leur chance, certains n'en font pas grand-chose. Mmh. C'est pour ça aussi que j'ai terminé avec cette phrase qui est pour moi une vraie défaite de Frédéric Marquez, qui dit « tout est son contraire ». Quand vous dites que tout est son contraire, c'est que vous avez quand même des repères un peu... enfin, des idées un peu vagues sur ce qui est important ou pas dans la vie, à part soi-même. C'est vrai que je suis un peu dure avec lui, mais il est un personnage qui souffre par ailleurs. Au demeurant, souffrir, ça n'a jamais été une raison pour faire souffrir les autres. Donc, il a ses failles, il a tout ce qui le rend attachant, mais en même temps, ce qu'il y a de terrible, c'est que c'est quelqu'un qui, quand il est amené à réfléchir sur lui-même, il fait mine de réfléchir souvent. Et puis il passe à autre chose, en fait, et il se défausse beaucoup de sa culpabilité ou de sa responsabilité. Ça, c'est quelque chose aussi de très cynique de se défausser quand vous avez l'opportunité d'être face de faire une sorte d'examen de conscience, de dire que c'est la faute d'autrui ou de c'est aussi très, oui, c'est une façon de botter en touche qui est assez lâche, finalement. Et... Alors, on s'est beaucoup attaché à évoquer le chemin déjà parcouru, qui était long, comme vous le voyez,
mais en matière de conclusion, et bien que ce soit un peu scolaire, évoquant celui qui reste à parcourir, pour vous demander si vous avez une quelconque visibilité par rapport à tout ça. C'est-à-dire, je ne vous demande pas quels sont vos projets, de toute façon, vous venez de nous les donner, mais est-ce que vous savez vers quoi vous voulez aller? Est-ce que vous dites, tiens, j'aimerais aller vers ce genre de choses, ou pas du tout, les projets, les livres s'accumulent dans un désordre qui peut être fécond par ailleurs? C'est compliqué. Moi, j'ai des choses dont j'ai envie de parler, en fait. Il y a des thèmes, justement, sur la trace. Il y a un livre que je porte sur la proximité entre l'islam et le judaïsme, qui, à mon avis, qui va me réclamer beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Parce que je ne pense pas qu'on puisse le faire... comme ça en dilettante. Donc, je vais me remettre à étudier l'arabe sérieusement pour pouvoir être capable de lire les commentaires sur le Coran dans le texte, parce que sinon, c'est quand même pas sérieux. Et pareil sur la Bible hébraïque. Ça, c'est quelque chose de... Ça, c'est un horizon, et c'est vraiment quelque chose que je voudrais atteindre. Je sais pas, il faudra que je me donne le temps pour y arriver, parce que ça, c'est trop important. En plus, si jamais je me prends une fatwa, j'espère que je pourrai leur répondre... dans le texte, parce que je pense que c'est un sujet qui est important, mais qui dérange. Et il faut aussi avoir l'humilité de se dire que ça va pas être pour tout de suite et que ça réclame beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études. Donc ça, c'est mon grand projet, en fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de malentendus, enfin de confusion, et que c'est souvent, c'est ce que je pensais aussi dans ce sujet libre, c'est que souvent, quand on n'est pas très, très versé, même sur ses propres, sur sa propre identité, que tout ça est un tout petit peu fait de briques et de brocs, et qu'on n'a pas beaucoup étudié, enfin, je pense que l'étude, ça ouvre aussi l'esprit, donc, on est un peu vacillant. Donc, moi, je voudrais vraiment essayer de trouver, de faire se répondre l'islam et le judaïsme qui ont du mal en ce moment à être en phase ou qui sont instrumentalisés pour... Voilà. Donc ça, c'est un grand projet autour d'un personnage du Coran. Donc voilà. Ce ne sera pas forcément un livre historique parce que j'ai du mal. Je pense que c'est très compliqué, les livres, les romans historiques. Et je le laisse à d'autres qui font ça très bien, je pense. Qui pensent qu'ils le font. Enfin, qu'ils le font, tout simplement. Qui osent le faire. Et un autre, oui, sur les limites de la foi aussi. Enfin, c'est toujours moi le religieux est quelque chose qui est important parce qu'il pas par credo, mais parce que je pense que sans vous balancer le cliché, si on l'a pas entendu au moins 10 fois cette semaine de la phrase de Malraux, je sais pas combien de fois on l'a, enfin, ça devient absurde, le pauvre. Mais donc, je pense qu'on est dans une période où la quête de sens s'exprime par ça, et que moi aussi je suis dans une quête de sens, mais je suis aussi dans une quête de sens par rapport à la quête de sens. Enfin, c'est une interrogation sur ça. Donc ça fait partie de mes projets à long terme, d'interroger nos héritages. J'ai envie d'écrire une comédie. Enfin, il y a aussi des choses comme ça. J'ai besoin de... Parce que, en fait, souvent, mes livres, ils sont quand même pas trop, trop drôles. Et je pense que l'humour, c'est quand même extrêmement nécessaire. Et ça fait des petits malentendus, par exemple, quand je suis en signature. Enfin, quand j'ai été dans des salons, parfois, je ris beaucoup avec mes voisins. Et alors, il y a des gens qui arrivent en se disant « Ah là là, elle a l'air espiègle, etc. » Ils prennent le livre. Et comme ça, ils reposent, ils font « Ah, c'est pas très drôle tout ça. » Et alors, un jour, j'aimerais bien faire comme ça, enfin, être normal, puis quelqu'un dise « Ah !» En fait, c'est très, très drôle aussi. Mais, donc voilà, ça, je sais pas, on verra. En ce moment, j'écris une comédie pour le cinéma, on va voir ce que ça donne. Donc, ça peut être aussi un pan de... voilà, le cinéma est extrêmement important pour moi. J'ai une dévotion pour Lubitsch, Wilder et cet humour-là. Donc voilà, c'est pas littéraire stricto sensu, mais c'est aussi ça fait partie de mes choses importantes. Donc voilà, et puis
Puis je sais pas, en même temps, la vie décide tellement pour vous que ça serait très présomptueux de ma part de dire alors voilà où je suis, voilà où je dois aller, où je veux aller. Parce que d'abord, je suis pas très sûre de où je suis. Et alors, ça devient encore plus compliqué pour savoir où on va aller. Et en plus, il y a ce proverbe qui dit « Ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu ne pourrais pas t'égarer. » Donc, voilà. J'ai juste envie de profiter de... Je dis, la vie, c'est aussi du bonus. Il y a 2 mois, on m'a appelé, je revenais de quelque part. On m'appelle, on me dit « Est-ce que tu veux aller en Afghanistan suivre Michel Alliomari ?» Franchement, 10 minutes avant, qui m'aurait dit que j'allais en Afghanistan, alors que ça faisait 6 ans que je cassais les pieds à tout le monde pour aller un jour en Afghanistan et que je me disais que c'était pas pour tout de suite. Donc voilà, c'est vrai que la chance la vraie chance d'avoir eu Olivier Todd, Pierre Assouline et tous ces gens qui ont fait que j'ai pu embrasser ce chemin-là, fait que tout reste encore à construire et que c'est bien comme ça, en fait. Donc, simplement, voilà. Il faut ouvrir les... Enfin, j'ai juste envie d'avoir les yeux ouverts. Ça me paraît pouvoir nous fournir une conclusion extrêmement efficace à cette rencontre. C'était donc une heure de cheminement avec Clémence Boulouk, que nous remercions chaleureusement, j'imagine, d'avoir répondu à notre invitation. Mort d'un silence et sujet libre, bien sûr. Mort d'un silence et sujet libre sont désormais disponibles en collection de poche folio. Quant à Chasse à Cour, c'est en collection Blanche Gallimard. Et je rappelle qu'il y a aussi, on ne les a pas évoqués, tous ces petits livres, petits mais précieux, notamment dans la très jolie petite collection du Petit Mercure. Ça fait beaucoup de petitesse, tout ça, autour de Tanger et des macarons. Enfin, il y en a un autour de Tanger et l'autre autour des macarons. Ayons en guise de conclusion, et ça ne va pas nous. Une pensée quand même pour une grande dame de la littérature française qui est décédée discrètement hier et qui avait été notre invité dans les salons Albert Mola, Michel Desbordes, qui était un écrivain formidable et que nous regrettons déjà. Voilà.